Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un jour très... Mais qu'est-ce qui se passe? Tout est à l'envers là, tout est en dessus dessous. Bon. Ce qu'on va faire, on va compter jusqu'à 3, on tape dans les mains et on va tout remettre à l'endroit. 1, 5, 2, 4, 3, allez on tape dans les mains. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça Frouk? Allez hop, c'est mieux comme ça. Donc aujourd'hui, c'est un jour particulier parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du mois. Et aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est le 1er avril. Alors, le 1er avril, c'est le jour du poisson d'avril. C'est le jour où on fait des blagues à tout le monde. Et je pense que c'est Froggy qui a dû vouloir nous faire une petite blague, là. Alors, aujourd'hui, comme c'est le 1er avril, on va faire plein de choses autour des poissons. On va apprendre à dessiner un poisson. On va apprendre à faire un poisson en pâte à modeler, on va faire un petit atelier avec des poissons, on va apprendre à faire un jeu de pêche à la ligne, et enfin, on va apprendre à faire un poisson comme Luna, avec la main, et un poisson comme Erika, avec une assiette en carton. Alors, on va commencer tout de suite ensemble, on va apprendre à faire un poisson en pas à pas. Vous êtes prêts? Alors, pour faire un poisson pas à pas, on commence par faire un ovale. Un ovale, c'est comme un rond, mais un petit peu aplati. Donc, je pars d'en haut, je tourne vers la gauche, comme ça, et je reviens. Ça, c'est le corps de mon poisson. Maintenant, on va lui faire la tête. Pour faire la tête, je fais un morceau de rond, je pars d'en haut, je tourne toujours vers la gauche, et voilà. Le corps, la tête. Maintenant, on va faire la queue et les nageoires du poisson. Pour faire la queue, je fais un trait de haut en bas, je me reprends en haut ici, et je descends là, et je reviens là. Voici la queue du poisson. Les nageoires, je pars d'ici, un trait vertical de haut en bas, je repars en haut, et je fais un trait qui descend vers la droite. Ici, un trait vertical de haut en bas, et je monte vers la droite. Ah, il est pas mal ce poisson, mais je pense qu'avec les yeux, il verra un petit peu mieux. Alors, on fait un rond ici et un autre rond à l'intérieur que je vais colorier en noir. Voilà. Une bouche qui sourit. Waouh! Il ne me manque plus que des écailles. Pour faire des écailles, je vais faire des morceaux de rond, on va dire des ponts sur le côté, comme ça. Hop. Et je continue. Je refais ici mes ponts. Je refais là. Voilà. Et je continue comme ça. Et enfin, deux petits ronds. Et voilà mon poisson. Je peux rajouter quelques bulles pour finir. Je fais des ronds qui montent. 1, 2, voilà, 3. Et voilà mon poisson d'avril. Maintenant, on va faire le poisson en pâte à modeler. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Pour faire un poisson en pâte à modeler, il me faut une boule de pâte à modeler. Il me faut un boudin, un petit boudin, deuxième petit boudin. Il me faut également une petite boule et un tout petit boudin. Voilà. On commence par aplatir la boule, comme ça. Je prends mon gros boudin et je le mets ici. Voilà la queue de mon poisson. Je prends un autre boudin pour faire une nageoire. Celui-ci me fera la deuxième nageoire en bas. Et à quoi vont bien pouvoir me servir la boule et le petit boudin. La boule, on va la mettre ici pour faire l'œil du poisson. Et là, on va faire sa bouche. Et voilà, un superbe poisson d'avril fait en pâte à modeler. L'atelier sur les poissons. Regardez-moi ces poissons. Ils sont tous à la queue leu-leu. Ils sont contents, mais un petit peu blancs. Ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu de couleur dans tout ça. Alors, on va les colorier de deux
couleurs différentes en changeant de couleur à chaque fois. Par exemple, moi, j'ai choisi du vert et du jaune. Enfin, n'importe quoi, du noir et du marron. Alors, on commence par colorier en rose le poisson qui est là. Voilà, je m'applique pour bien le faire. Ensuite, je colorie en gris le poisson suivant. Le troisième poisson, je reprends le feutre violet et je le colorie en rose clair. Et après, je prends mon feutre orange pour colorier en noir le poisson qui est là. Et on continue comme ça, jusqu'au bout en changeant de couleur à chaque fois. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je termine avec ce feutre-là. Allez, on a vu cet atelier. Maintenant, qu'allons-nous faire? Le jeu de pêche à la ligne qu'on va fabriquer ensemble. Allez, on y va. Pour faire le jeu de pêche à la ligne, il nous faut déjà un bâton. Du fil, des poissons aussi, bien sûr. Les voilà. Ceux-là sont un peu blancs. C'est mieux de les colorier. Beaucoup mieux comme ça. Il faudra aussi une paire de ciseaux, de la colle, du scotch, une trombone, un aimant, donc là j'ai pris la lettre I que j'avais sur mon frigo, et une boîte de céréales. Maintenant, on va voir comment on fait avec tout ça pour faire notre jeu de pêche à la ligne. Déjà, pour commencer, on prend le bâton et on va accrocher le fil au bout du bâton. Ça, on peut demander aux parents ce qu'il faut faire un nœud. Hop. Et voilà ma canne à pêche. Ici, on va mettre l'aimant tout au bout du fil. Et voilà ma canne à pêche est terminée. On va s'occuper des poissons. Alors, quand les poissons sont coloriés, on va les coller sur le carton de la boîte de céréales. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va les découper. Je reviens tout de suite. Et voilà, mes poissons sont tous découpés. Avec le scotch, on va coller la trombone ici, au milieu de chaque poisson. Et voilà, comme ça. Et maintenant, hop, on prend, là, on met l'aimant dessus, bon normalement sans tricher, et est-ce que ça me tient? Et voilà, j'ai pêché mon poisson. Allez. Maintenant, on va voir ensemble ce que nous proposent Luna et Erika. On va commencer par voir le poisson de Luna. On regarde ça tout de suite. Vous avez vu? Elle a fait un poisson avec sa main. Alors, pour faire ça, on prend la main, on écarte le pouce et l'auriculaire, c'est le petit doigt. On les pose à plat sur une feuille, on prend un feutre et on fait le tour en partant du poignet, ici. Je fais bien le tour de ma main. Voilà. Et je m'arrête au poignet. Ici, je fais le tour comme ça. Et je fais un arc de cercle, un morceau de rond. C'est la tête de mon poisson, comme au-dessus, je lui fais un œil, que je vais colorier en noir, et une bouche qui sourit. Et voilà, un poisson main. Maintenant, on va voir ce que nous propose Erika. Vous avez vu, elle a fait de superbes poissons avec des assiettes en carton. Il faut prendre une assiette en carton, on la peint d'abord, et ensuite, avec des ciseaux,
on découpe un triangle dans l'assiette. Voilà. Je prends de la colle et je viens coller le triangle de ce côté ici. Moi, je vais mettre un petit bout de scotch. Et voilà, un poisson assiette. Il est joli. Il manque un peu de couleur. Il faudra le décorer, je pense. Je le pose ici. Alors, est-ce qu'il nous restait quelque chose à faire? On a vu les dessins, la pâte à modeler, on a vu l'atelier, le jeu, les assiettes, les mains. Bah, je crois que c'est tout. Alors, moi, je vous dis au revoir et à bientôt les enfants. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi. Au revoir les enfants.